Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui c'est les moissons. Là on est en plein dedans, j'ai pas eu le temps de vous faire l'intro, c'était un peu speed, on a déjà bien attaqué. Il est je sais pas quelle heure il est, 4h30. Donc ça se passe bien. On roule à deux ensemble. Donc il y a mon frère qui est avec moi pour m'aider aujourd'hui. Mon père en profite pour passer des pareuses, du coup, vu qu'on a que deux ensemble, voilà. Mon frère a l'Arion et la benne à Graham, et moi, hop, j'ai l'action avec la grosse benne démarrée. Ça se fait plutôt bien. Alors, l'entrepreneur a changé de batteuse cette année. Donc, cette batteuse, c'est un plaisir. Elle a vraiment du débit. Elle fait des beaux andins. C'est une belle machine. Le seul inconvénient, si on peut dire, c'est que elle va trop vite, on va dire. Donc, pour le technical, je vais essayer de m'arranger pour trouver une troisième benne. Parce que là, tout du moins pour l'orge, c'est trop chaud quoi. Il attend un peu au champ et ça, c'est pas cool pour lui ni pour nous. Donc voilà. Donc là, derrière moi, vous voyez le grain qui coule. Là, je vais lever la benne parce que ça commence à couler un peu moins. Donc là, vous avez la vis de reprise qui prend dans la fosse qui est là. La vis de reprise et elle monte la céréale dans cette cellule-là où il y a l'échelle, voilà. Et l'autre, c'est celle de triticale. Et après, on a notre fabrique qui est là, voilà, derrière moi. Bon, niveau rendement, on est plutôt bien. Cette année, bon, l'orge, elle a l'air plutôt belle. Je pourrais calculer et vous dire si ça vous intéresse. On verra, parce que là, c'est difficile à dire. Mais bon, par rapport aux bennes, je vois que c'est pas cata, quoi. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Tonight, we are heroes tonight.
town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Voilà comment ça se passe. Donc en fait on décharge dans la fosse, la grosse vis de reprise monte l'orge dans la cellule, et puis voilà, ça c'est la cellule triticale, là c'est le moulin, là le broyeur. En fait l'hiver on fout tout dans le broyeur et on récupère notre farine juste ici, et là c'est le tourteau de soja. Donc voilà, bon ça poussière pas mal. Donc celui qui roule l'autre ensemble, donc l'Arion, c'est mon frère. Donc il m'aide, aujourd'hui il m'aide, parce que du coup on est que tous les deux là pour moissonner. Mon père du coup il en profite pour passer de l'épareuse, donc voilà. Là ça va plutôt bien, même si on va dire qu'il manque une benne quoi pour vraiment faire du bon boulot, mais on s'arrangera pour la prochaine fois. On va lever un peu la remorque. Alors j'ai acheté un micro. Vous me direz ce que vous en pensez, si la qualité est meilleure ou pas. Normalement j'ai tourné une autre vidéo YouTube de la démo d'un round, donc je sais pas si celle-là sortira avant ou pas, à voir. Donc là hop, là il va falloir que je me décale un peu et je vous reprends. Bon voilà, ça y est, je me suis repositionné, donc c'est ok pour ça. Hop. Bon alors j'ai le fil électrique qui passe, donc c'est très pratique quoi. J'ai aussi la dalle. Donc faut faire gaffe à rien attraper quoi. Bon c'est bon, ça recoule impeccable. De toute façon je perdais pas de temps parce que la fosse était pleine, donc quand la fosse est pleine c'est pas, je peux pas faire mieux.
Bon ben voilà, l'objectif c'était ça. Enfin, c'était ça, c'est pas encore tout à fait bon, mais de remplir la cellule pour l'hiver. Là, l'objectif là, c'est que ce qu'il y a au bord là, les arêtes là, ça arrive à ras en fait là, voilà. Donc là, la benne de mon frère est déjà, ça sera pas mal. Moi, la mienne est vide là, ça y est. Donc voilà, et s'il y en a un peu en rab, on gardera une remorque pour le vendre. Allez, voilà, ça y est, on a fini de moissonner. Bon alors du coup on vous a pas repris tout à l'heure parce que avec mon frère mon frère a fini d'égaliser la cellule de grain. On l'a bien remplie, donc elle est comme je vous disais tout à l'heure, c'est bon, impeccable. Le grain est à ras les parois et il reste cette remorque là qui est, allez, on va dire qu'il y a 10 tonnes dedans à peu près de grain qui est en trop entre guillemets. Du coup ben je vais voir comment on va faire, on essaiera d'aller le livrer à la COP. Peut-être je vous filmerai juste quand on déchargera la COP et je le mettrai dans la vidéo si j'ai le temps. Donc voilà, les rendements, ben, j'ai pas calculé, mais on doit être dans les. Si on fait une moyenne des deux parcelles, c'est peut-être 70 quintaux, je pense. Donc franchement, c'est très correct. La parcelle où on a filmé, elle était super belle. Le grain était beau. La paille, il y avait de la paille quand même pour de l'orge, c'était beau. Bon, l'autre parcelle qu'on avait faite avant, c'était moins beau parce qu'elle avait eu un problème de pitain et chaudage, elle était malade, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc au final, bilan positif quand même, ça s'est bien passé, on a fait ce qu'on voulait, on a soufflé les cellules, on a tout nettoyé là, donc voilà. On a pris une bonne douche parce que, je vais pas vous mentir, qu'on avait transpiré un peu et avec le grain ça grattait. Donc c'est pour ça qu'on fait que la fin de la vidéo ce soir. Et puis voilà. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Et moi je vous dis à dans une prochaine. Ciao !